En ce qui concerne le SSTS ou École supérieure en sciences et technologies du sport, avant d'arriver à cette appellation, on est passé par plusieurs étapes. Tout d'abord, dès l'avènement de l'indépendance en 1962, a été créé le CREPS pour la formation des enseignants d'EPS. Cela a duré jusqu'aux années 70, où par l'intervention de M. Mekhalfa a été créé le Centre national des sports, qui par la suite a pris l'appellation de ISSTS, Institut supérieur en technologie du sport. Par la suite, il y a eu plusieurs transformations de l'appellation et de l'acronyme en même temps. On est passé par INFSSTS pour ENSSSTS et en 2010, il y a eu l'avènement de l'école hors université. Et cette appellation a encore eu une nouvelle transformation pour terminer en école supérieure en sciences et technologies du sport par la promulgation dernièrement du décret mettant l'école hors université et la reversant au cœur de l'université elle-même. L'objectif de l'école est la formation de cadres hautement qualifiés. Ces cadres sont issus du secteur éducatif, généralement c'est des bacheliers, en plus de l'acceptation des athlètes d'élite A, B et de niveau C. C'est ce type de population exemptée du concours, sauf dans la mesure où ils doivent présenter une attestation d'athlète de haut niveau délivrée par le ministère. Je crois que les sports collectifs sont lésés dans ce domaine, dans la mesure où il n'y a pas de, nous n'avons pas encore d'équipe nationale ayant décroché des titres mondiaux ou bien des titres olympiques. Cela revient toujours aux disciplines individuelles. Je pense que nous possédons l'un des meilleurs centres en Afrique et même dans le monde, non pas seulement du point de vue infrastructurel, mais aussi du point de vue qualité du produit que nous formons. Sur le plan infrastructurel, nous possédons des installations qui permettent la pratique de toutes les disciplines. On est en cours de rénovation et on a en cours quatre projets qui doivent être discutés par la commission des marchés du ministère. Nous avons donc des salles de basket, des salles à l'extérieur, basket, volley, hand, salles de gymnastique, salles de musculation, escalade, tennis, tennis de table, escrime. Toutes les disciplines sont pratiquées, boxe, lutte, judo, karaté, tout ce qu'on peut imaginer comme discipline. À l'extérieur, nous avons des installations qui sont plus ou moins, je dirais, dévastées dans la mesure où, comme vous avez pu le constater, elles doivent être rénovées complètement, comme les courts de tennis, comme les terrains de hand, de basket, les terrains d'athlétisme. Le terrain vague que vous avez vu à l'extérieur, c'est un terrain d'athlétisme. L'idée était déjà lancée en 2010 par le professeur Zerghini lorsqu'il était directeur. On devait, dès cette année-là, commencer pour la formation en LMD. Mais il y a eu beaucoup de lenteurs bureaucratiques qui fait qu'avec l'installation du directeur Mahor Bacha, il a bousculé les choses et a fait que les dossiers ont été réintroduits, réévalués, réétudiés. Et très prochainement, nous allons avoir l'habilitation et la tutelle pédagogique pour pouvoir entreprendre la formation en master et en doctorat. Cela intéressera bien évidemment les bacheliers, toutes séries confondues. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore reçu les critères qui peuvent déterminer l'accès à l'Institut. Mais toujours est-il, l'accès se fait sur concours pour les bacheliers et pour les athlètes d'élite sur titre. Mais par la suite, il y a un tri qui est opéré par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'acceptation des étudiants en formation. Notre institution, l'INFS-STS, a entamé la procédure de transformation de l'école du régime classique vers le régime MD ou LMD depuis 2011, que le dossier traîne. Et depuis l'arrivée de M. Mahor Bacha en 2019, 2018,
il m'a chargé, il a chargé la direction adjointe de la formation doctorale de prendre le taureau par les cornes et de voir où est-ce que ce dossier se trouve. Alors, en s'adressant au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ils m'ont dit que ça a été, le canevas a été pris tôt, mais aucune réunion de coordination n'a été faite. La prochaine rentrée universitaire, Inch'Allah, ça sera pour une formation de master-doctorat. Notre master, comme l'école, le statut de l'école est passé à école supérieure hors universitaire, on a master grande école, on va faire un master grande école, c'est 2 plus 3, c'est-à-dire 2 années préparatoires plus 3 années en master 2. Eu des réunions avec notre tutelle, le ministère de la Jeunesse et du Sport, et nous avons proposé qu'une coordination entre l'école et notre ministère. Les experts pourront discuter sur la possibilité de garder le diplôme de CS, c'est-à-dire conseil du sport, et en même temps offrir pour le rajeunissement des écoles de formation ou la pédagogie, c'est-à-dire les formateurs, pour rajeunir les formateurs, on a préconisé que ceux qui ont le bac peuvent prétendre au concours pour le master. Les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le bac, et c'est généralement ce sont les athlètes d'élite, seront versés vers la formation de conseiller du sport. Donc on aura deux diplômes distincts. Monsieur le directeur, nous offrons une formation de qualité, donc une formation de conseiller du sport qui active partout dans le monde. On a même des conseillers qui activent au championnat NBA aux États-Unis. Donc ils sont un petit peu partout. C'est une formation très consistante, donc qui tourne autour de pratiquement toutes les sciences, étant donné que la science du sport, c'est une science qu'on appelle horizontale, elle tire ses connaissances de pratiquement toutes les autres sciences. Par exemple, quand on enseigne le module de spécialité, une spécialité soit le karaté, le judo, le football, la natation, donc autour de ce module gravitent plusieurs sciences. On a la physiologie concernant tous les types d'efforts. On a la sociologie concernant tout ce qui entoure l'athlète comme problèmes sociaux. On a aussi la morphologie qui inclut l'anthropométrie, la biométrie et la cinésiologie pour l'étude des différents mouvements et les différents muscles qui participent dans ces mouvements. Aussi, on a la biochimie pour la diététique de l'athlète. Donc, c'est une science très riche. Donc, concernant les athlètes qu'on accueille ici à l'Institut, à l'école athlète ou bachelier, donc, ils subissent la même formation. Mais du point de vue pratique sportive, les athlètes qui s'entraînent au niveau des équipes nationales, l'enseignant essaye d'aménager, essaye de ne pas influer négativement sur le programme demandé par l'entraîneur national, par exemple. Moi, par exemple, en natation, dans le module natation, j'ai une athlète championne d'Afrique. J'essaie de ne pas altérer son programme. Donc, elle ramène son programme de son club ou de l'équipe nationale, et je la laisse pratiquer ce programme. Et on essaie de discuter avec les autres étudiants le contenu de ce programme. Donc du point de vue méthodologie, du point de vue qu'est-ce qu'il y a comme développement de force, de vitesse, et ainsi de suite. Donc concernant la crise sanitaire, l'école a pris des mesures, bien sûr, en collaboration avec la tutelle, le ministère. Donc, actuellement, on a les deuxièmes années qui sont en présentiel pour une durée de 4 semaines. Et en parallèle, on fait des cours pour les troisième et quatrième années en visioconférence et en vidéoconférence. Et ils ont aussi des cours sur PDF sur notre site. Donc, on n'a pas de problème dans ce sens. Et aussi, on est sollicité par quelques fédérations pour l'élaboration de la manière comment ils vont s'y faire avec cette crise.
J'ai été sollicité par la Fédération de natation dans ce sens pour établir un programme, bien sûr, sur la base de données scientifiques. Bon, en dehors de la formation des entraîneurs, des cadres du terrain, nous formons aussi dans le domaine du management du sport. Et là, la formation est plutôt lourde dans la mesure où elle s'adresse aux gens intéressés par une formation qui va de plein pied dans l'administratif. Ces gens-là sont intégrés par la suite à l'issue de la formation dans le corps administratif, soit des structures s'apparentant et relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, comme les OPOV, comme les DGS, comme les centres de regroupement des équipes nationales, ou bien sont versés dans les clubs où ils intègrent des postes de responsabilité. Au plan de la formation au master ici là, master management, je parle de management, donc ça aurait été mieux de le voir. Bon, ça a été fait, les collèges, ça a été fait, donc on attend juste de valider ces programmes avec l'enseignement supérieur. Inch'Allah, ça va donner plus de résultats par rapport à ça. Donc pour les étudiants désirant participer à cette filière de management, ça aurait été mieux d'avoir un prérequis sur le plan formation initiale sur le volet management, économie, gestion, comptabilité, etc., marketing, tout ce qui a trait au management, hein, pour un petit peu avoir plus de disons de résultats sur le plan feedback de la formation et sur le plan même efficacité sur le terrain par rapport à ce cadre qui va être injecté dans le secteur du sport.